Thank okay. you. À tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour Chez Vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment gérer les critiques en tant que leader. Et nous continuons cette mini-série euh, sur les leaders avec encore une fois notre invité, le pasteur Marcel Coiménant. Ça va bien, pasteur Marcel Très bien, avec joie d'être avec vous sur ce plateau. Et, et des bons thèmes comme celui-là, c'est... C'est bon. <laughs> c'est des bons thèmes, c'est vrai. Hier, tu as fait une très bonne rubrique Conseil du Coach pour les leaders, encore une fois. Mais on a vu que les leaders, c'est pas uniquement des pasteurs, des chefs d'entreprise ou autres. Même un père de famille est un leader. Hein. Donc, tous les conseils qu'on va partager aujourd'hui, ne s'applique pas seulement aux pasteurs. On a des fois tendance à mettre ça dans une boîte. Un leader, c'est quelqu'un qui a quelqu'un, des personnes qui le suit simplement, en fait. Donc c'est assez simple. Ça peut concerner beaucoup beaucoup de personnes. Et Aujourd'hui, euh, Pasteur Marcel, tu vas répondre à une question. Dans Pasteur, j'ai une question, une question de Paul de Côte d'Ivoire. En tant que Pasteur, faut-il garder une distance avec les membres de son église pour se protéger Tu répondras à la question euh, tout à l'heure dans dans l'émission. T'as une bonne réponse à apporter. Ouais, je. C'est bon, ça cool. Il y, quelques... Il, y Il y a quelque chose, de quelque chose. Oh. Oh. un tiroir. On a hâte. Oh, ben ouais, c'est prêt. Et Nadine, euh, aujourd'hui, dans la rubrique Culture et Médias, tu nous parles de un organisme. Oui, je parle d'une campagne de lait pour sauver des bébés au Tchad, qui est une campagne avec l'association Betzaleel en partenariat avec Made in Compassion, une très belle campagne qui est en cours en ce moment d'ailleurs. Excellent. Donc tu nous en parles en fin d'émission. Mmh. Nous allons donc commencer avec toi pasteur Marcel la pensée du jour. Alors, soyez bénis à chacun de vous. Vous savez, en euh, tant qu'enfant de Dieu, euh, quand on parle de leader, on doit pouvoir avoir le cap sur Christ. D'autant plus qu'on est leader par déjà la grâce que Dieu a fait de nous d'être euh, ses serviteurs. Et notre modèle type, c'est Christ. Donc, euh, si on a Christ, on peut comprendre une chose. Et euh, Jésus lui-même, il a pris tout il a assumé. Il a pris les crachats, il a pris la crucifixion, il a pris la trahison, il a pris euh, l'humiliation. Mm. Mais une chose qu'il a gardée, c'est à Gestemane. À émané, il s'est mis à genoux. D'ailleurs, il a dit aux disciples de venir avec lui pour aller prier à émané. Donc, euh, il est arrivé, euh, il a fait, la Bible dit qu'il a fait un pas de jet de pierre, et il s'est mis à genoux, il a commencé à prier. Vous voyez, ça c'est un exemple parlant, par en fait, pour... Ne pas rester un peu, se focaliser sur soi, sur, ouais, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce qui va se passer, comment les gens vont voir. Non, c'est se lever et se mettre devant la face de Dieu. Ne pas se laisser noyer, voyez, par tout ce qui nous entoure, mais rester, ce qu'on appelle ça, un focus. Le focus nous amène un peu, c'est un peu un régulateur qui nous amène un peu à, à garder sa ligne droite sur l'essentiel. Un focus, c'est ce qui aussi nous permet de... De, de passer à l'essentiel de, de notre vie, l'essentiel de notre responsabilité, l'essentiel de notre mission, de notre mandat. Donc, le leader ne doit pas regarder hein, qu'est-ce qu'on dit de moi, qu'est-ce qu'on pense de moi, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi. Parce que si aujourd'hui les gens ne nous comprennent pas, les gens ne te comprennent pas, les gens n'arrivent pas trop à discerner, ce n'est pas grave. Mais si tu portes du fruit demain, les mêmes personnes, vont mm -hmm. se rendre compte en fait que tu es une source d'inspiration, une source de bénédiction. Et ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas de dire que je suis serviteur de Dieu, je suis un leader. Non. Ce qui compte aujourd'hui, c'est porter le fruit d'un serviteur de Dieu. Mm -hmm. Ça, c'est un élément essentiel qui manque à cette génération, à cette, euh, on appelle ça l'ère un peu du, du numérique, à la vie facile, et qui fait oublier la réalité spirituelle que d'abord, c'est Christ qui nous a appelés. Mm -hmm. L'apôtre Paul dit, Christ, c'est ma vie la voilà. mort mais un gain donc ça veut dire quoi d'abord c'est l'essentiel c'est christ et l'important de sa vie c'est christ et, euh, et d'ailleurs aussi hein, une chose qu'il faut retenir lorsque christ se met à, à gester en prière la bible qu'à un moment donné c'était tellement chaud c'était tellement dans la prière dans l'intercession confronté à ce qui va arriver que il avait la sueur qui se transforme en sang il y avait et entre temps les disciples dormaient ça veut dire que ceux avec qui tu penses même avoir un soutien, <laughs> au moment où tu te mets à prier, au moment où tu as un lutte, ils dorment, ils ronflent. Mais toi, tu dois faire quoi pendant qu'ils dorment Tu dois prier. Un leader, c'est quoi Veiller pour les autres porter les autres, prendre en charge les autres et puis soutenir les autres et puis aussi assumer pour les autres. Mmh. C'est cette capacité qui fait que le modèle de Christ doit nous inspirer pour qu'on puisse servir Dieu avec passion dans la grâce, dans la révélation, dans la compréhension, le surnaturel de Dieu qui saisit, qui nous donne aussi cette force en fait que ce qui est impossible à l'homme, avec le Saint-Esprit, c'est possible. Amen. Amen. Merci Pasteur Marcel, j'ai bien aimé ton accélération. <laughs> On ne va pas te presser, tu vas pouvoir encore développer parce que c'est un thème que tu connais bien, parce que toi-même, même dans ta vie, tu as essuyé des critiques également. Et en fait, je pense que toute personne euh, qui porte un minimum de fruits, qui s'engage un minimum dans une cause, dans quelque chose qui agit simplement, qui passe à l'action, risque un jour ou l'autre d'être critiquée. Parce que les gens critiquent, en fait. Les gens ont toujours quelque chose à redire, pensent toujours qu'ils vont faire mieux que toi, qu'ils sont euh, plus intelligents, qu'ils ont vu des choses que toi, tu n'as pas vues. Vu malheureusement vont faire partie de la vie des leaders parce que les leaders vont entreprendre, ils vont innover, ils vont peut-être prendre des sentiers qui n'ont jamais été empruntés et oui il y aura des critiques mais la question c'est comment gérer ces critiques puis on va en parler. Notre verset du jour est le psaume 119 au verset 22 qui nous donne déjà un excellent conseil. Décharge-moi du déshonneur et du mépris, car j'observe tes instructions. Tu l'as dit, pasteur Marcel, dans ta pensée l'importance d'aller prier dans ces moments-là, de se décharger sur Dieu et de compter sur Dieu. Si on sait qu'on est clean, qu'on n'a rien à se reprocher, on peut faire confiance à Dieu. Comment ça se passe ces moments où on a sué des critiques et on va prier Est-ce que on va se décharger sur Dieu en disant Seigneur, vois ce que les autres m'ont fait subir comment, comment on prie dans ces moments-là Et déjà, euh, c'est vrai qu'on se décharge sur Dieu, c'est mieux plutôt que se décharger sur les gens. Oui. Parce que souvent, à un moment donné, quand on, a, on essuie plein de critiques, on finit par saturer. Mm -hmm. on, après, on se dit Oui, j'en ai marre, j'en peux plus. Mm -hmm. voilà, on ne comprend plus ce qui se passe, on mm. devient méfiant. Ouais. Mais les critiques, déjà, moi, j'ai vécu les critiques comme, euh, comme euh, un support complémentaire des formations. Je suis pas. On des fait partie de la formation. Oui, d'ailleurs, on regarde très bien. Quand on va faire une formation, on ne nous apprend pas ce qu'on connaît. Mm -hmm. On nous apprend vrai. ce qu'on ne connaît pas. Mm -hmm. Et ce qu'on connaît, on nous apprend à l'améliorer, à mieux l'utiliser. Mm -hmm. Donc, à un moment donné, les critiques, d'abord, les critiques, je ne veux pas dire qu'il y a des bonnes critiques, mais je dirais que dans la vie... Il faut, il faut comprendre que les critiques font partie des moyens et des outils à améliorer mm -hmm. notre fonctionnement et notre relation. D'ailleurs, le mieux, tout projet qu'on met en place, il faut l'emmener sur le terrain, dans l'équipe dans laquelle on se trouve, en tout cas, l'exposer de, de façon naturelle, de façon libre, de façon euh, consciente et aussi responsable, mm -hmm. que les gens apportent leur version, leur interprétation. Tu peux être. Tu peux voir quelque chose en fonction de l'angle là où tu te trouves. Mm -hmm. Mm -hmm. Et, et tu peux avoir la chose en un sens unique. Et celui qui vient, il voit ça différemment. Donc, cette critique-là, c'est vrai que par moments, on peut se sentir comme un peu déstabilisé, peut-être frustré, à se dire Ouais, euh, je comprends pas, j'ai donné du travail, j'ai fait. Non, moi, je prends la critique aujourd'hui comme. Un moyen de de mieux filtrer mmh, mmh. pas forcément de se remettre en cause dans le sens à, à se culpabiliser mais dans ce dans le sens à se dire oh oh peut-être que j'aurais dû m'améliorer mmh. j'aurais dû peut-être modifier là alors tac vous voyez ça donne celui qui critique critique m'aide à construire mmh, oui. parce qu'en réalité celui qui dit tout amène à tout ce que tu fais euh, en tout fait, cas, euh, pour moi, ils ne m'aident pas, moi. Mm -hmm. voilà. Mais celui qui peut me dire, hé, hey, hé, hey, oh, ça, je ne vois pas. À tort ou à raison, bon, je me dis, on a le droit de critiquer. Il faut qu'on l'intègre dans le leadership. Que, euh, alors, je, je partageais un petit secret. Et, euh, à un moment donné, dans le ministère, moi, j'ai commencé très jeune. Donc j'ai eu du mal jeune à, à, à me faire une place au milieu des grands, des adultes, des, des grands-parents, des, des, des aînés. Donc, mais ce qui me plaisait plus, et dans lequel on s'était un peu mis une petite complicité entre hein, nos jeunes, on s'est dit, euh, c'est pas normal si on, on nous dit rien. Donc on faisait tout et quand tout était tellement parfait ou bien fait, on était frustré parce qu'en fait on se disait si on critique, il y a deux choses. Si on critique, c'est qu'on veut nous pousser à mieux nous améliorer. Mm -hmm. Mm -hmm. Et si on nous critique aussi, bah aussi ça nous amène à, à prendre conscience que si on a des failles, mm -hmm. mais à se dire si on a des failles, on doit y travailler pour ne pas que la, les failles prennent. La place dans notre vie, mm -hmm. mais que la grâce est ce que Dieu nous a donné de faire, on peut se veiller à ce que cela s'applique. Mm -hmm. mm -hmm. Troisième point, on aimait aussi les critiques parce qu'on se disait, euh, euh, dans une formation, vous voyez, quand on, on parle de critique, on dit « peut mieux faire ouais. ». critique. Voilà, moi, nous, on, moi, je voyais la, les critiques dans ce sens. « Peut mieux faire »,« peut s'améliorer »,« peut se développer », voilà. Mais les critiques doivent rester toujours pour... Un, un leader, un moyen de se perfectionner plus mm -hmm. et d'amener d'autres nouveaux défis. Mm -hmm. Voilà, c'est ça la critique pour moi. Donc mm -hmm. critiquer, euh, ouais, ah il a, il n'a pas bien prêché, mais justement. Je veux mieux prêcher. Critiquer, ah, il est un peu mal habillé. Je veux m'améliorer. Voilà. Non, il mm. faut éviter qu'on tombe un peu dans l'auto jugement que tout critique soit ça comme un séisme. Mm. Euh, voilà. Euh, voilà. C'est comme si on t'a insulté. Non. Mm. Je pense que si on aime quelqu'un et que franchement, vous voyez, il y a un dernier point pour moi qui m'a beaucoup euh, interpellé dans la relation d'équipe, si à un moment donné on a peur de faire des critiques. C'est qu'il y a un problème. Mm -hmm. Mm -hmm. Si on, on hésite et on cherche les mots pour ne pas choquer, c'est qu'on n'est pas à l'aise. Mm -hmm. On doit pouvoir. C'est vrai. Euh, faut pas abuser de la liberté pour dire n'importe quoi. Mm -hmm. Mais je pense que mm -hmm. euh, penser, réfléchir, assumer et critiquer pour améliorer. D'ailleurs, là, là, tu parles quoi. de critique constructive, quoi. Ouais. Pas de critique juste pour démolir la réputation ouais. ou autre. Quoi. Alors, on parle moi, de ça. Hein. Oui, mais moi, je fais court. Si la personne critique pour, pour autre chose, tant pis pour lui. Moi, je vais profiter de sa critique pour me construire. C'est important ce qu'on dit ici aussi. Mm -hmm. Parce que moi, ce que j'entends, c'est que quand il y a une critique qui vient, parfois on veut grammatiser la situation et tout, mais c'est vraiment de le prendre en sachant, est-ce que déjà cette personne a raison parce que quelquefois, comme pasteur Marcel a dit, c'est une question d'angle de, de vue en ouais, fait. Ouais. Et les choses que parfois, en tant qu'un leader aussi, peut ne pas voir. Donc là, on dit comment réagir. Mais c'est est-ce que cette personne a raison Est-ce que cette critique est fondée Est-ce qu'il y a un angle que moi je, je ne capte peut-être pas qui pourrait justifier mm -hmm. cette affirmation là mm -hmm. Et auquel cas, comme pasteur Marcel dit encore, c'est juste de voir qu'on doit s'améliorer. Ça, il y a une remise en <coughs> question quand même. Oui, et on doit, doit examine se faire. La critique, en fait. mm -hmm. Mm -hmm. Et puis dissocier euh, aussi la critique. De notre identité personnelle. Mm. Ce n'est pas parce qu'on a dit que quelque chose est mal fait que c'est toi qui, qui est Une nul mauvaise en personne, fait. Voilà, ouais. c'est ça. Donc vraiment, faire cette différence-là, je pense que ça va aider aussi au niveau des réactions pour savoir comment réagir. Mm. Ouais. Moi, je dirais, moi, j'ai remplacé le mot critique, ça, 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 ça ne ça mm -hmm. tient qu'à moi seul, par amélioration. Mm -hmm. Parce ouais, ouais. que je me dis, je prends un exemple simple, la génération évolue. Aujourd'hui, on a le téléphone, on a la technologie évoluée. Mais vous imaginez vous donner ces mêmes matériaux à des gens qui sont restés il y a 20 ans, ils comprendront pas. Donc si tu dis ouais, ça c'est pas bon, mais c'est pas bon, l'époque tient compte, le moment tient compte, mm -hmm. les personnes tiennent compte. Donc il faut tenir compte de tous ces cas. Mm -hmm. Donc à la fin, je mm -hmm. me dis Critiquer. Euh, J'aime bien côtoyer les gens. En fait, euh, voilà, c'est un petit <laughs> Quand on me critique, ça, ça ne veut pas dire que par moments, ça me fait pas, oui. ça me secoue pas. Mmh. Mais euh, au fond de moi, fait... les critiques ont permis à ce que je me construise. Mmh. D'ailleurs, les plus grands défis de ma vie, c'est les critiques qui m'ont poussé à entrer au fond de moi, rechercher le meilleur de moi, mmh. me dire. Tu m'as lancé, moi je le prends en défi. Tu m'as lancé un défi. Alors ce que tu dis, peut-être que j'aurais dû euh, m'améliorer. Alors. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton idée. Et ce que tu as dit, je prends ça comme un, un élément que j'écris dans mon carnet secret et je bosse tous les jours. Mmh, wow. <laughs> excellent. Donc on voit qu'on s'examine soi-même, qu'on examine, soi qu examine la, la, la pertinence de la critique et qu'on sait surtout que ça n'est pas attribué à nous-mêmes, c'est pas notre personne qui est remise en question, c'est mmh. ce qu'on a fait. C'est des, des bons points, excellents. Et on va arriver à notre pasteur, j'ai une question. Et là, ça concerne un peu plus les pasteurs, mais peut-être que les brebis vont mieux comprendre aussi leur pasteur. Paul de Côte d'Ivoire nous a... En tant que pasteur, faut-il garder une distance avec les membres de son église pour se protéger Cette fameuse familiarité, ce lien, est-ce que on met une barricade autour de soi puis on, on, fait, on filtre rien, de, de, on filtre tout, je veux dire de son intimité ou pas euh, Déjà, il faut euh, pasteur Paul, en tout cas, soit, soit béni euh, ou le frère Paul, si c'est pas si c'est le oui, voilà. Sais pas. Euh, ou le chrétien. Mm -hmm. <laughs> ok. Ce que je peux. Ainsi dire, c'est qu'avec la petite expérience à nous autres, euh, il faut savoir garder chaque chose dans son contexte et à sa place. Et euh, l'histoire de la familiarité, oui, quand on est enfant de Dieu, on est une famille. Oui, quand on, on se retrouve à, à prier ensemble, avoir Christ comme chef de cette famille, chacun est un membre de la famille. Chacun dans cette famille joue un rôle où on s'édifie où on s'encourage, où on se bénit les uns les autres. Le problème, c'est de vouloir mélanger tout. Mm -hmm. la, la famille, c'est très bien. Nous tous, on a des parents sur ce plateau ici. Je n'ai pas ma mère avec moi ici. Mm -hmm. Donc, ça veut dire qu'on est dans un cadre. BCV est une famille dans ses émissions. Mm -hmm. Aujourd'hui, avec une équipe, vous voyez, il y a un cadre. Donc, dire à l'Église qu'il faut mélanger les relations Familiale dans le cadre de sa foi avec Dieu et relation d'amitié, de proximité à tout va, moi je dis non. Mm -hmm. Je dis non, de toute façon, moi je ne crois pas à ça. Ça dure un moment donné où on se retrouve à, à, à rencontrer ce qu'on appelle les problèmes de personnes. Parce qu'il faut savoir déjà, les gens qui viennent à l'église viennent déjà avec leurs problèmes de chez eux. Oui. Donc moi, je suis pas pasteur pour régler vos problèmes de chez vous. Je suis d'abord pasteur pour amener des âmes à Christ et sauver des vies. Sauf que cette réalité de ces personnes qui sont souvent blessées à la maison détruits, complètement cassés, qui ont besoin qu'on puisse les enseigner, les sécuriser, les mettre dans un autre cadre d'éducation, souvent qu'ils ont mal vécu, et aussi de les rassurer sur la vie relationnelle, familiale. Si la parole de Dieu n'est pas mise en avant dans ce cadre précis, qu'est-ce qui va se passer Je me retrouve avec des gens qui ont besoin d'amour, au lieu que ça, ça se pointe sur l'amour de Christ, on va créer une relation où les gens vont attendre de ces choses du Père qu'ils n'ont mmh. pas eu de moi. Mais il y a un problème. Nous tous, on est ensemble pour Jésus de Nazareth. C'est vrai, je peux être un instrument pour t'enseigner, un Père spirituel pour t'aider, mais excuse-moi. Excuse-moi, il ne faut pas attendre de ton père ce que je ce qu'il ne t'a pas donné, que je te le donne. Je veux t'apprendre à ce que Christ te le donne. Mmh. Mmh. Donc indirectement, de surcroît, c'est vrai qu'il y a besoin que je sois attentif. C'est besoin que je puisse t'accompagner. Mais quand on mélange ces rôles-là, à un moment donné, il va y avoir des problèmes. Pourquoi Parce que déjà, chacun a eu ses problèmes mmh. dans l'éducation et dans la croissance et même dans son quotidien avec ses parents. Il y a des problèmes de rébellion, de comportement. Donc on va vouloir, à un moment donné, se retrouver confronté à ces réactions charnelles, de méthodes, de mentalités, de culture, d'éducation. Et après, qu'est-ce qui se passe Le pasteur n'est plus le berger. Le pasteur est confident. Au lieu de prendre cette, dans cette confidence, prend le sujet pour donner à Dieu, il le garde. Donc il réagit des choses qui ne le concernent pas. Le piège, il vient là. Donc je encore rajoute une couche. Oui, parce qu'il faut le dire. <laughs> que quand on, on est pasteur, la familiarité, si on, on ne donne pas une limite, les relations charnelles viennent dedans, les, les relations humaines viennent dedans. Or, n'oublions jamais, quand la brébie connaît sa place, quand quand vous êtes, lorsque vous êtes bien ensemble, il n'y a plus de limite. Hein, mais le jour, il va avoir un petit poulet et dire, ah, le pasteur, voilà, il va te remettre à ta place. Mais toi, il faut que tu saches que ta place, c'est prendre soin des brebis, leur donner de l'amour, leur donner de l'affection, les sécuriser, les enseigner, les nourrir. Mm -hmm. Donc, quand tu es dans ce cadre, tu ne mélanges pas le rôle. Et, et, bon, parce que souvent, des pasteurs, même les brebis, sont plus affirmés. Voilà, parce que le pasteur lui-même, il est quoi Il est blessé. Il est quoi Il manque d'affection. Donc, la brebis qui est venue pour chercher de l'affection et de l'amour et du toucher de Dieu, je retrouve à jouer ce conseiller et pire, cette assistance et mieux ce, cette maman ou ce papa auprès de ce pasteur dont les rôles ont été inversés. Inversé. Mm -hmm. Donc, il faut avoir une, une limite, pas forcément une distance. Il faut avoir un cadre. Voilà. Un cadre, c'est comme si tu, as, tu es professeur et que ton fils est élève dans ta maison, dans ton école, mm -hmm. dans, ton, dans ta classe. Mm -hmm. Voilà, vous voyez il y a un cadre qui définit. Ouais. Donc, mélanger les problèmes personnels, familiales, à l'école, dans la classe, tôt ou tard, tu vas avoir des ennuis. Mm -hmm. Donc, tu vas pouvoir, quand tu veux parler, tu dis, oui, maman, ouais, mon fils, voilà. Donc, si on transfère tout ça, il n'y a plus rien. Donc, il faut que l'Église reste un cadre familial. Mais ne pas mélanger le cadre familial de l'Église à une vie. Quotidienne où on met l'amitié, euh, le favoritisme, et puis on met les opportunismes, on met plus euh, les affinités en avant. Mmh. Ça, c'est anti- biblique. Et parce qu'à un moment, tu n'auras pas le courage et la force de reprendre la personne à cause de ta proximité. Ouais, tu n'auras pas la force aussi de mettre de l'ordre à cause de peut-être la faveur que tu fais. Donc, il n'y a pas de faveur. Ce qui est biblique pour tout le monde, ce qui s'applique pour moi, s'applique pour tout le monde. C'est comme ça. toi Tu dois pouvoir pas Même si tu donnes la grande dîme à l'église, on doit pouvoir te dire, hé, hey, tes bêtises. Et aussi, le pasteur aussi doit pouvoir <laughs> prier et aimer tout le monde. Et quand on dit pardon, c'est le pardon du pasteur, pardon du chrétien. Il mm n'y -hmm. a pas de limite, il n'y a pas de frontière. C'est qu'est-ce que le chef de l'église. Mm -hmm. Amen, c'est ce qui s'appelle une excellente réponse. <laughs> Merci beaucoup. Il y en a pasteur, beaucoup là, de en fait. 10 en 5 minutes. Écoutez, c'est hyper <laughs> profond ce que tu as partagé. Parce que là, tu as donné des clés e extraordinaires pour des pasteurs, pour bien gérer justement cette, cette, cette limite à avoir Excellente réponse. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez vous aussi nous écrire comme Paul à l'adresse pasteurgénequestion.com. Et nous enchaînons maintenant avec la rubrique culture et médias. Alors Evelyne, aujourd'hui, je présente euh, la campagne de Made in Compassion qui est en partenariat avec l'association Betsalel. Il font une campagne de lait au Tchad. Au Tchad, le Tchad, si vous ne le connaissez pas, c'est un pays d'Afrique centrale. Il est vraiment au cœur de l'Afrique et c'est un pays euh, avec une grande étendue. Et au Tchad, l'association Betsalel y est depuis 50 ans. Ah. Et euh, déjà, des faits marquants que je dois dire, c'est que au Tchad, 3 millions de personnes sont en insécurité alimentaire. Un enfant sur 5 de moins de 5 ans. Souffrent de malnutrition. Mmh. Et vraiment, il y a beaucoup de pauvres, de mortalité infantile qui est liée à la malnutrition, 43% des enfants. Et donc, du coup, il y a l'association Betzalel qui a cette campagne de lait. Et les axes à mentionner, je dois vous dire, c'est une réponse vraiment à la malnutrition. C'est vraiment un acte concret que Betzalel fait sur place. Ils offrent une prise en charge complète, donc des formations dans les villages, d'hygiène, etc. Et ils ont une équipe locale qui est sur place. Et elle a été auditée justement cette association en 2018 par l'ONG la direction des ONG du Tchad qui ont trouvé que l'action que menait Betsalel est salvatrice et la mise en œuvre qu'ils font sur place wow. a vraiment euh, c'est vraiment une solution appropriée au problème de, de malnutrition au niveau des ça. enfants dans la ville de Ndjamena qui est la capitale et les environs. Donc, il y a un problème de lait. Les enfants sont mal nourris. Et soit parce que la maman elle-même ne produit pas assez de lait parce qu'elle-même, elle n'a pas à assez à manger. Ou la maman est absente parce qu'elle est décédée. Donc, ou bien le manque justement de, de, de moyens pour la famille de, de se procurer du lait. Et le lait infantile est vraiment trop cher. Et donc, ils ont cette campagne ici, la campagne pour sauver mmh. les bébés. Et euh, y a, juste avant qu'on continue, je, je préfère qu'on passe un peu la vidéo. On a une petite vidéo de la dame, Madame Monique, qui est la fondatrice de l'association BTLL, qui va pouvoir dire dans ses mots oui. un petit peu ce qui englobe la campagne pour, ce, pour le lait. Un enfant qui perd sa maman à la naissance perd en même temps toutes les chances d'une croissance normale, puisqu'il est dépourvu du lait maternel. Les familles elles-mêmes n'ont pas les moyens de se procurer du lait infantile parce que c'est cher, ce n'est pas à leur portée. Si nous pouvons leur fournir ce lait, eh bien nous donnons toutes les chances à cet enfant de survivre. À Kumra, notre maison était pleine d'enfants, une belle famille de 146 petits. Tous des enfants orphelins de mères, tous avec une histoire bien particulière. Et un des derniers enfants arrivés chez nous, à Kumra, est Alexis. Lorsque sa maman est décédée en le mettant au monde, son papa a pris son enfant, l'a couché dans un carton de sucre attaché sur le porte-bagage de sa mobilette et c'est ainsi qu'il a parcouru 200 km pour venir nous le déposer. Et donc voilà, donc, euh, on voit un petit peu ce qui se fait à l'association Betsalel. Ils ont un centre de protection infantile. vous allez sur leur site, betsalel.org, vous allez trouver toutes les informations. Le PMI, donc ce centre de formation, de, de protection, pardon, maternelle et infantile, prend en charge des bébés de 0 à 5 ans qui souffrent de malnutrition grave. Donc ils vont les, les, prendre, les prendre en charge. Les nouveau nés de moins de 1,5 kg. Donc des prématurés ou bien mmh. un retard de croissance ou bien des nourrissons orphelins ou bien qui ont justement qui ont manqué de lait maternel et vraiment ils aident, ils vont prendre soin, ils vont des fois les hospitaliser jusqu'à ce que l'enfant récupère un poids quand même assez normal pour rentrer à la maison et puis l'enfant va revenir plus tard pour un suivi vraiment serré quotidien pour vraiment mmh. suivre l'enfant en tout cas à chaque semaine ce et c'est vraiment bien ce qu'ils font, il dit chaque jour 200 familles viennent dans leur centre Anjamina et à Kumra et donc il y a l'équipe qui est là mais malgré tout ça, il y a vraiment un manque de Lait. et donc les gens ils viennent et puis on leur donne ce lait là et c'est ce lait là qui va vraiment aller pour aider les enfants à la maison. Et vraiment, cette association fait une prise en charge complète. Donc, au-delà de, de donner du lait, ils, aussi, ils parlent aussi de l'alimentation, de l'hygiène, donc se laver les mains, des petites choses comme mm -hmm. ça. Ils parlent de la vaccination. Donc, ils aident aussi euh, les, les mamans, mm -hmm. des fois c'est des jeunes mamans, à vraiment apprendre les bonnes, les, bonnes, les bonnes façons de faire en fait, pour les bébés. Mm -hmm. Et donc, chaque semaine, l'enfant revient pour un contrôle de poids, pour sa croissance et un suivi régulier. Et puis, euh, comme j'avais dit, c'était 200 enfants, 200, 200 enfants consultent les équipes. Et c'est une trentaine d'enfants qui sont hospitalisés à tremplin, donc de 3 à 10 semaines. Donc, ils, ils voient 12 000 enfants chaque année. Oh. C'est quand même énorme. énorme. Donc euh, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide. Vous pouvez aller sur la, le, le site de l'association pour voir concrètement mm -hmm. comment vous pouvez aider. Mais mm -hmm. vous pouvez évidemment prier pour eux, prier pour les familles, les bébés, mm -hmm. et puis partager, partager sur vos réseaux sociaux aussi cette euh, réalité quand même qui n'est pas euh, qui n'est pas coachade. Il y a quand même la réalité de mm -hmm. la, la malnutrition infantile. Mm -hmm. Elle est quand même assez répandue dans plusieurs pays. Et donc euh, oui. malheureusement, mm -hmm. mais il y a moyen de faire quelque chose. Et puis la made in compassion vraiment est derrière cette euh, campagne avec l'association Betsalel pour pouvoir passer le mot. De concrètement aider. Voilà. C'est super, c'est vraiment une, une très belle organisation qui a l'air de faire un super beau travail. Mm -hmm. Et euh, bah c'est bien d'être au courant de, de ce mm -hmm. qui se passe, d'être un peu informé, parce qu'il y a des réalités qu'on peut ignorer. On peut se fermer les yeux si on veut par rapport à cette réalité-là, mm -hmm. mais pourtant, les gens sont là, ils sont bien en vie et ils vivent ces problèmes-là au mm -hmm. quotidien. Il n'y a rien de pire pour une mère de ne pas pouvoir nourrir son enfant, et de, de le le subir les, les pleurs et, et le décès parfois, oui, de son enfant sous prétexte qu'elle n'a pas pu mmh. simplement l'allaiter alors que c'était son rôle. Mmh. Donc euh, merci Nadine de nous avoir présenté ce, ce bel organisme et puis euh, euh, voilà on peut aller se renseigner mmh. sur ce qu'ils font. Merci beaucoup. Donc Pasteur Marcel, merci pour cette émission avec nous. On te retrouve demain, mais tu seras dans la rubrique C'est mon histoire parce que tu vas nous partager certaines expériences d'injustice que tu as vécues et comment ces injustices, un petit peu comme tu le disais aujourd'hui par rapport à la critique, ont été comme tu dis des diplômes pour ton pour ton ministère. Donc on en parle demain. Demain vous l'aurez compris, nous allons parler d'injustices vécues. Donc on reste un petit peu dans la même lignée. Euh, comment réagir face aux injustices vécues C'est malheureusement encore une fois des choses qu'on peut vivre, tout comme les critiques. On peut vivre des injustices, parfois des injustices terribles. Nous allons voir comment réagir face à ça, les choses qu'on peut mettre en place pour se protéger de ces injustices. Et on en parle demain dans l'émission Bonjour chez vous.